Bonjour Germain, aujourd'hui je veux partager avec vous ma façon de faire les escalopes milanaises, façon argentine. Bon, j'ai mis tous les produits sur la table, et d'abord un peu de persil, un peu d'origan, je vais mélanger ça avec les œufs. On prend les œufs, on les casse, on les met à l'intérieur des bols. Un troisième, un quatrième, on va mettre. On rajoute les persil, un peu de l'origan, sel, on mélange un petit peu. Les escalopes de veau. Et on les laisse mariner pendant 20-30 minutes. On lâche bien, on la met un peu à l'ancienne, on va dire. De retour, au bout de 30 minutes, on va ouvrir la chapelure. On fait la chapelure un peu. Et on va panier tous les escalopes de veau. Et les uns après les autres. Et essayons un maximum de chapelure. Colle à l'escalope. D'un côté et l'autre. Et voilà. Juste une petite astuce, avec les œufs qui restent, on va rajouter un petit peu de fromage et on va faire un petit omelette aussi. On allume le four on va le mettre à 200 degrés. On le laisse s'échauffer avant de mettre les escalopes au four. Préparé pour le mettre au four. On va mettre un peu de huile d'olive. Pas beaucoup. Les escalopes. Et on va les arroser avec un petit peu d'huile. Un peu plus. On va les mettre au four. Pendant une bonne quinzaine de minutes. Allez, on attaque l'omelette aussi. Bon, je crois que l'omelette il est prêt. Les 15 minutes sont passées. Voilà, ils sont prêts. Du coup, ils sont pas mal. Escalope milanaise avec l'omelette. On peut rajouter des fromages, on peut rajouter des jambons, mais bon, on l'a fait simple parce qu'on peut finir ça. Allez, bon confinement à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. À Pierre Fabre.